Eh bien salut tout le monde les gens, comment allez-vous? Moi ça va nickel, j'espère que vous m'aimez, on se retrouve aujourd'hui pour un épisode de Naruto. Ça fait extrêmement longtemps que j'ai pas tourné. Je pense que j'ai expliqué le pourquoi du comment dans le Rome News. Enfin bref, on va se lancer directement dans le nouveau niveau. Je vous cache pas que là si je tourne c'est surtout histoire de me dire, faut que je finisse le let's play. Ça me fait plaisir de jouer au jeu, je suis content d'y rejouer et tout, mais c'est plus dans l'optique de finir le jeu. そうか。捕虜には強力なプロテクトが。尋問部が手を。静音の剣士の方は。そっちは何。うん。なんだ。ございますば。何事だ。暁です。こちらも応戦していますが。 奴らがここを攻めに来たってことは。ああ、間違いなくねらいはナルトだ。ペインか。非常事態警報を出す。ひなた、捕まる。なお、全員に。了解っす。博士。 お前現段階の進捗を含め。わかりました。このハメ。くそ。とにかくこの歯病院に向かう。 Ok, donc ouais, comme je le disais, là, je tourne le jeu, voilà, surtout histoire de me dire, voilà quoi, j'ai fini le let's play, etc. Je suis content de jouer au jeu, hein, je l'ai dit, mais bon. C'est parce que là, la chaîne est vraiment à l'abandon, et j'aime pas ça du tout. What? Je dois battre les ennemis, ou... Alors, ça fait longtemps qu'on n'a pas joué avec Kakashi. Depuis le début, ouais, on n'y a plus joué souvent. C'est ok, c'est ça la permis. Donc je peux pas y aller par là. Hein. Concrètement, je ne peux pas grimper là. Ah non, d'accord, faut que je fasse le tour par là. Je m'étais tout simplement trompé. Ok, donc on est au dernier. Non, ah non, on est même pas au dernier chapitre du jeu. On est l'avant-dernier. Ok, ok. Je me souviens plus. Et donc ça doit être pour Log du coup, je me souviens plus à chaque fois. Ok, donc je suis à l'hôpital. Ouais, destination atteinte. C'est cool mon gars, et maintenant. Ok, Sakura nous rejoint. Je pense que à partir de maintenant, je skipperai les dialogues. Battez les proto-ninja de l'hôpital. Alors, je vais aller avec Sakura parce qu'il faut pas que je la laisse... Ok, elle attaque à travers le grillage. Pourquoi pas? Ok, donc j'avais bien lock des ennemis tout à l'heure. Hop! Ah, c'est ça son. Ah, ok, non. Attends, c'est bien l'autorité divine, mais il l'active avec. Des mille oiseaux naturels, comme on dit. Mais je sais plus le nom de la technique en japonais. Chidori. Voilà. C'est ça, hein, si je dis pas de conneries. C'est quoi la touche? Voilà, pour remettre la cam déjà. Ok, n'empêche, là en ce moment, je suis en train de réfléchir à du coup ce que je vais faire après Naruto. Parce que comme je l'ai dit, je voulais faire du Pokémon, mais enfin bref, on verra, on n'est pas là pour parler de ça. Ok, bon, pour le moment on bat les Proto Ninja. Je sais pas si on va se battre contre un Pain dans cette mission. Ouais, à partir de maintenant je vais passer vite fait les dialogues, je vous expliquerai moi ce qui se passe, hein. Parce que honnêtement j'ai un peu la flemme. Je veux pas que vous... comment... Je veux pas non plus bâcler les épisodes, mais je vous cache pas là que... J'ai plus trop la... En fait, j'ai envie de faire des let's play, mais je sais pas trop sur quoi, comment... Mais
Je vais bien réfléchir à tout ça, mais pour le moment, j'avais envie de finir Naruto. Sakura quitte le champ de bataille, ok. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? Ok, battez les proto-ninja. Par contre, mettre des proto-ninja pour mettre des proto-ninja, en vrai, ça sert à rien. Bon, on va pas leur en vouloir. C'était un peu le truc du jeu, de se retrouver dans des grandes batailles. Ils le vendent comme ça, hein, sur la boîte du jeu. Naruto en 1 contre 100, un truc comme ça. Quelque chose du style. Donc c'est vraiment qu'ils voulaient vendre le jeu de cette façon. Après c'est vrai que c'est sympa, mais en même temps, franchement, je pense que si on joue en mode normal comme moi, il n'y a pas grande difficulté. Les difficultés résident plus dans quand on se retrouve face à des boss. Et encore les boss ça va, c'est plus simplement en 1v1. Parce que les boss, une fois que tu as compris leur schéma, je me souviens par exemple de Kakuzu, si je dis pas de conneries, ils sont pas si compliqués que ça. Là ouais je prends quelques coups mais là je peux pas permettre parce que j'ai plus de chakra. Mais honnêtement, ah, par contre là ça va être la merde. Hop là, on va leur échapper. On va reprendre du... Hop. Oh je l'ai esquivé au dernier moment. C'était pas mal. Ok, je voudrais le terminer lui parce qu'il m'embête. Allez. En fait, je te prends un mur comme ça en pleine gueule, ça doit faire mal. Mais bordel, mais... Après, le jeu devient quand même plus dur, mais vous voyez, je me prendrai jamais un KO par des petites unités comme ça. Là, voilà, en plus, vous voyez, il y a de la vie assez souvent, honnêtement. Par contre, ce qui est chiant pour valider les objectifs, c'est qu'on doit vraiment battre tous les proto-ninja à chaque fois. C'est dommage qu'on puisse pas juste battre les chefs, parce qu'honnêtement... tous les battre comme ça... D'ailleurs, j'espère que les réglages de la vidéo sont bons, parce que ça fait longtemps. Et j'ai peur de me planter sur un truc. Putain, mais ils sont résistants, les salauds. Là, je vais me rapprocher de... Bon, mais toujours pas... Voilà. Hop là. Hop, je vais aller prendre les PN là-bas. Alors là, par contre, je vais délock. Vu que... Voilà. Vu que je suis actuellement plus... Oh non, ça c'est nul, ça, pour... C'est dommage qu'on ait pas Naruto, parce que là, avec son tourbilol, il aurait fait du dégât. Je relock parce qu'il y a plus trop d'ennemis. Il y en a plus. Ok, on va essayer de prendre un maximum de gens dans son jutsu. Oh merde. Allez, ça passe. Ouais, ça passe. Alors, je pense qu'il y a pas mal de monde. Oh, ok, il y a deux boss. Enfin, deux mini-boss, c'est parfait. Ça fait un gros trou au travers des rangs ennemis. Hop, on va en buter un. Ça m'évitera d'avoir pas mal de problèmes. Je peux passer en mode éveil, mais je vais pas forcément le faire. Étant donné que... Je sais pas si le niveau se termine là-dessus, mais si se termine là-dessus, c'est pas la peine que je le fasse. Parce que... Quoique en fait, si se termine là-dessus, c'est la peine que je le fasse. Mais le truc, c'est que si je le fais et qu'après il y a un boss, vaut mieux le garder pour le boss. Vous voyez? Mais je pense que c'est dans une prochaine mission qu'on affronte Pain. Mais je sais pas, j'ai un doute en fait. Concernant la durée des épisodes, je pense que je vais faire 2-3 missions si je fais un peu les dialogues plus rapidement. Mais tout en vous expliquant, hein, vous en faites pas, moi. Je lis dans les grandes lignes et comme ça, après, je peux vous expliquer. Plus franchement l'arc Pain, là ça fait longtemps mais c'est l'arc que je préfère de Naruto. Je l'ai lu, je l'ai regardé maintes et maintes fois. D'ailleurs ça me rappelle beaucoup de souvenirs également. Il en reste un. Ah d'accord. Et il regagne de la vie. C'est pour ça que je galérais à les tuer tout à l'heure. Ok, c'est la fin de la mission ou pas? Je dois battre tous les proto-ninja? Putain, juste parce que j'en ai oublié deux, quoi.
Hop là, gain de niveau, ça c'est parfait. Il est que niveau 8 mon Kakashi. Peut-être pour ça, c'est que je prenais beaucoup de dégâts. Parce que mon Naruto est niveau 20. Là. C'est dommage qu'il ait pas une technique Katon, Kakashi. Parce qu'il utilise pas mal Katon. Hop là. Tous les protons de géant étaient vaincus. Ah bah! Donc là, Yapen qui vient rendre une petite visite à Kakashi. Je dois faire le tour par là. Donc là, on va activer mon mode éveil. Comment ils appellent ça? Ouais, bon là, c'est le mode Sharingan. Chaque personne, voilà, a son propre nom. Donc là, en gros, il cherche Naruto. Donc on va juste devoir battre Pain. Donc c'est Pain Tendo. Ah oui, c'est vrai qu'il a ça en... Ah lui il a ses techniques là. Hop là, le petit combo. Hop, avec le mur debout, on le laisse pas. Putain, tu peux enchaîner comme ça, c'est génial. Hop. C'est pas ça que je veux faire moi, c'est du... Oh putain, il avait Sweeten en l'air, c'était trop bien, mais je l'ai raté mon combo. Putain, il permute à chaque fois avant Sweeten. Ah, je l'ai touché un petit peu. Je pense que je peux leur faire un dernier combo. Si j'arrive à casser sa garde, je n'y arrive pas. Ah, j'ai pas réussi à refaire plusieurs fois le mur. Ah, ok. Bon. Je voulais essayer de relancer un Sweeten en l'air. Hop. Bon, pour le coup, Pain c'était plutôt easy. Pain Tendo était vaincu. Battez toutes les formes de Pain. Non, on va pas devoir battre toutes les formes de Pain. Donc, je vais reprendre un maximum de chakra. Cette forme de Pain, je la trouve vraiment différente des autres, mais elle est assez cool. C'est Shurab. Donc ouais, je sais pas si je l'ai enchaîné parce que j'étais en mode Sharingan, ou si c'est parce que j'ai réussi à faire une certaine manipulation. J'aimerais bien essayer de voir, mais bon, on va pas prendre de risques. C'est marrant, vraiment, il y a un contraste entre les persos qui sont remis en HD... grâce à l'émulateur et au reste des décors. Par exemple, en fait, si vous voulez, toutes les textures, par exemple là, les barrières sur la droite, elles sont également remises en HD. Mais le sol et tout, non. Alors j'aimerais bien le... Là. Ouais, il y a un tout petit éclair qui l'a touché, c'est pas mal. Ok, et des fois je fais pause hein, pour répondre à des messages, mais comme d'habitude je fais des coupures. Ah ok, faut juste que je spam B en fait. C'est sûr que la technique me paraissait un peu folle, mais comme ça elle est plus finante. Et en fait, non, j'avais pas vu dans l'émission, mais on peut voir ses victimes. Parce que des fois en haut à droite il y a marqué son nombre de victimes, et il y a le temps de la mission. Du coup c'est pas mal parce que j'ai pas affiché mon chrono pour la vidéo. Je vois à peu près, par exemple, si je sais que sur cette mission je fais 12 minutes et sur le d'après je fais 13, bah je sais que je suis à peu près entre 25 et 30 minutes de vidéo avec les dialogues et la map quoi. Il est redoutable. Ah non, d'accord, je pensais qu'il fallait battre toutes les formes de Pain. Ok. Grand final A. Ah, c'est en dégâts que j'ai fait ramper. Ok. Le temps c'est bien, les victimes c'est bien. Ok, donc est-ce qu'on débloque des cartes? C'est vrai que j'équipe pas mes cartes, mais c'est sympa toujours de voir des petites images. C'est des goodies que j'ai toujours bien aimé. En gros. Donc là, il y a Pain qui arrive, Kakashi, la bout de force et tout. Et Pain, il va mettre une... comment dire? Il va... voilà, il va pas faire plaisir à Kakashi. Hein. Et ça s'arrête sur un beau cliffhanger. Alors, on sauvegarde les données de jeu. Et comme d'hab, je vais faire moi... hop là. Ça avec l'émulateur. Sakura. Ok. Sakura. Il reste un chapitre après. Ah ouais, putain. Je pensais qu'il restait moins que ça. Non, je regardais juste un petit truc. Ne vous en faites pas. Du coup, on est parti. Alors, elle, normalement, elle est toujours à l'hôpital, du coup. Ah ok, elle a trouvé Shizune, qui sont arrivés. Ok, Shizunade, donc elle va dans son bureau. Donc elle lui dit tout ce qu'elle a appris. Donc elle dit que... alors là en gros, si vous voulez, Pain, vous voyez qu'il y a des espèces... au début je pensais que c'était des piercings, mais en fait c'est des bâtons qui sont dans leur corps.
Et elle a appris que grâce à cela, ils pouvaient communiquer entre eux. Ce qui est très pratique, hein. Et Sakura va à l'agence de renseignement. Et ils ont des radios, j'ai toujours trouvé ça marrant parce que dans Naruto, il y a de l'électricité, il y a la télé, il me semble. Je dis peut-être des conneries. Mais c'est pas si exploité que ça, je sais pas s'il y a des lumières. Et je crois même qu'ils ont une salle de cinéma. Donc c'est assez marrant, c'est un monde... Merde, je sais plus comment on appelle ça. Donc je vais rien dire. Mais il y a des éléments futuristes dans un monde non réel. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, ça porte un nom. Mais je ne sais plus ce nom exact. Du coup, je vais fermer ma gueule. Ah, par contre, j'aime beaucoup Sakura parce qu'elle est géniale pour faire le ménage. Hop là. A chaque fois, j'ai l'impression qu'elle dit mocassin. Et ça me stresse. Je vois pas pourquoi dirait mocassin comme ça d'un coup. C'est vraiment pratique pour faire le ménage. Choc du cerisier. Oh, coup de marteau. Oh, avec la petite animation et tout, c'est pas mal. Par contre, le jutsu, voilà. C'est pas ouf. On dirait... En fait, on dirait qu'elle dit occasion. Je sais pas trop. Je dis n'importe quoi. Hein. Écoutez, faut bien rigoler. Hein. Mais en fait, je dois faire quoi? C'est quoi mon objectif? Battez les animaux. Oh, ouais. C'est des objectifs bien chiants, en fait. Ah. Un nouvel objectif. Secourir les ninjas blessés. Alors, des animaux. Oh putain! Je me souviens plus qu'on en a invoqué, qu'on en a affronté. Ninja. Ok, donc là, on doit aider un Chunin. Donc, qui se bat comme il peut. On va l'aider, et je sais pas si on va devoir. Ok, donc lui, il est sauvé. Escorter les ninjas de Konoha jusqu'au manoir du Hokage. Ok. Bah, je pense que on va battre tous ces ninjas et une fois qu'on aura fini. Alors attendez, je vais m'occuper de ceux qui sont dans le tas. Putain, mais. Je sais pas comment on change de lock. C'est pas comme ça. Hop là, les trois. Je les ai fait dégager en ligne. C'était pas mal. Allez, viens avec moi, Jackie. Allez, ok, je me disais c'était trop beau. Mais attendez, il y a un gros truc rouge. Ok, un paint féminin donc. Ouais, elle, alors là, il se le demande, mais moi je vais vous dire, c'est celle qui invoque toutes les créatures. Et moi je lui fais un choc du cerisier brûlant. Putain, il y a les créatures de paint et tout en arrière-plan. Il y a plein de petits détails comme ça, mais c'est génial. Ça, c'est le genre de détails que je kiffe dans un jeu. Et elle était dedans, elle. Elle avait l'air d'être dedans. Oh, là, on dirait le crabe au début de One Punch Man. J'aurais bien aimé le voir de face. One Punch Man, hein, si vous avez jamais vu ou lu, allez-y, parce que franchement, c'est génial, quoi. Je pense que maintenant, à peu près tout le monde, ça a vraiment fait un phénomène de mode en ce qui concerne les mangas. Mais moi, au début, ça me gênait le fait qu'il soit chaud. J'ai raconté les chauds, hein, mais je sais pas, je trouvais ça bizarre de voir un héros principal chauve. Mais en fait, la façon dont on apprend qu'il est devenu chauve et tout, c'est parce qu'il s'est trop entraîné qu'il a perdu ses cheveux, mais ça a rien à voir. Enfin, je sais pas si c'est possible, hein, mais je pense pas que les mecs qui s'entraînent trop perdent leurs cheveux, quoi. Attendez, parce que là, j'ai deux objectifs en cours, en fait. Non? C'est quoi mon objectif? Escorter ninja, ouais. Donc l'autre il est toujours en train de se battre. Eh, mais par contre son jutsu c'est vraiment de la merde. Par contre ça c'est bien pour faire le ménage. Regardez, hop, en l'air. Oh putain, j'en ai oublié deux. Hop là. Oula. Merde. Ok. Merci beaucoup. Un nouvel ennemi apparaît, ok. Bah, je pense qu'on va y aller, hein. On n'a pas trop le choix d'ailleurs. On va s'y rendre, par contre il y a plein d'ennemis sur le chemin, mais ça, vous le savez, ça sert à rien de tous les affronter. Moi je veux... Ah, l'ange, je sais pas si on dit Conan, Conan, je pense qu'on dit Conan. Ça me paraît très évident en fait. Enfin, du moins en VF, après en japonais ça peut se dire autrement. Peut-être Kun, je sais pas.
Mais je pense que ça se dit pas Konan. Putain. Elle est tellement chiante. Je sais plus si on l'avait affrontée, elle, avec Jiraiya. Ah ok, j'ai réussi à la mettre dedans. Hop, le combo. Oh non, j'ai plus le chakra pour... J'ai brisé sa garde. Et Sakura, t'as vraiment fort. J'ai plus le chakra, mais écoutez, je suis bien parti. Dans un très long combo. Ah, là je l'ai plus. J'ai plus de chakra pour permute, attention. Ouais, c'est dans ces situations-là que le jeu est plus dur. Hop, on permute. Ah non, je suis pas atterri là où je voulais. Par contre... Non, j'allais dire une connerie. J'ai dit, je vois pas comment elle a besoin de chakra pour faire ses jutsu. Mais en fait, si elle concentre ton énergie en mettant du chakra dans ses pieds ou dans ses poings... C'est Tsunade qui lui a appris à utiliser cette force. Hein. Pendant que Naruto lui s'entraînait avec Jiraiya, c'est ce qui se passe entre Naruto et Naruto Shippuden. Enfin, dans le manga, c'est entre le tome... entre le tome 26 et 27, je crois. D'ailleurs, personnellement, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je préfère la partie dans Naruto où ils sont enfants. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, mais je sais pas... Je kiffe vraiment... Bon, mon arc préféré, c'est Pain, mais... Dans la globalité, je préfère les premiers tomes. C'était pas encore trop centré sur Sasuke et tout. Battez les ennemis. Oh, c'est une blague. Oh, c'est une blague, les amis. Les objectifs relous, on les connaît. Et encore, avec Sakura, ça devrait aller plus vite qu'avec... Kakashi. Hein. Hop. Putain, mais on va vraiment devoir tous les battre? Hop là. Vous voyez, c'est pourquoi c'est pratique d'avoir Sakura. Hop. Hop, ça c'est pratique. Et écoutez, je vais spammer ça parce que c'est vraiment pratique. On va pas abuser non plus. Hop. D'ailleurs, aujourd'hui, pour la petite anecdote, je suis censé aller en cours, sauf qu'il n'y a pas de transport. Du coup, je suis pas allé. Voilà. Parce que le verglas, c'est un truc de malade. Ce matin, en sortant de chez moi, mais je me suis cassé la gueule. Enfin, j'ai failli me casser la gueule. Je me suis rattrapé comme dans les films. Alors là, par contre, il y en a un qui va me faire chier. Et vu qu'il y a beaucoup d'ennemis, je vais essayer de passer en mode Sakura ultime. Mais le truc, c'est qu'il y a pas mal d'ennemis autour. Et j'ai l'impression qu'ils deviennent de plus en plus agressifs. Comment ils appellent ça? Mode médecin, ok. Et... Ok, en fait, ce qui change, c'est que je peux faire ça autant de fois que je veux. Ah, ok, il n'y a plus l'animation au bout d'un moment. Ah, si. Alors, oui, je sais pas, mais bon, pour les objectifs comme ça, sérieusement, on va pas s'embêter. Quoique, ce serait pas plus efficace de faire un combo là avec le bonus d'attaque. Ah, si, carrément. Et je le finis avec ça. Voilà. Vous voyez ? Savoir réfléchir des fois. C'est marrant, pour les jeux j'arrive à réfléchir, mais en cours j'ai plus de mal. Hop. Hop là. Hop là. Ça se passe pas trop mal pour le moment, je pense. Est-ce qu'on va avoir une autre forme de pain à affronter, histoire que je pète un câble? Et après faut que j'aille voir exactement à combien de temps de vidéo on est. Oh là, ok, je me fais avoir là-dessus. Il en reste un. Ok, je dois aller à l'agence de renseignement. Je pense qu'il va y avoir un pain. Non. Je pense qu'il va y avoir un pain. Non. Ah, mission terminée, ok. Rang A. Attendez. Ok, on est à 25 minutes de vidéo, du coup on va s'arrêter là. C'est une reprise en douceur. Et honnêtement, bah, ça fait plaisir de retourner une petite vidéo quand même. Voilà, je sais pas à quel rythme je vais reprendre et tout, je ne promets rien, je ne promets plus rien. On va juste faire les dialogues. Donc Sakura arrive à l'agence de renseignement. Laisse-moi faire, ok. Ça m'a aidé. On va s'occuper des blessés. Invocation. Ah oui, en fait, elle invoque sa grosse limace, je sais plus comment elle s'appelle. Et elle peut soigner tout le monde, lui, il étudie Pain, tout ça, tout ça. Et là, il voit des cadavres, machin, machin. Nanana.
Je vous avoue qu'en fait, les dialogues, au bout d'un moment, dans un jeu comme ça, c'est chiant. Enfin, c'est pas chiant, mais vu que, par exemple, personnellement, je pense que vous aussi, on connaît tous Naruto, du coup, voilà. Sauvegarder les données de jeu, oui. Hop, et je vais faire une petite sauvegarde. La prochaine mission, c'est quoi? Avec Hinata. Ok, donc je pense qu'en fait ça va aller vite. Je pense qu'il va rester une mission avec Hinata et 2-3 avec Naruto. Attendez, une avec Naruto. Je sais pas, on verra. Les amis, je vous remercie d'avoir regardé cet épisode. Je vous dis allez, à plus. Je vous remercie vraiment. Pensez au petit like et allez, ciao tout le monde.